Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce mardi. Mardi 19 juillet. Si. C'est un grand jour, c'est un grand jour car c'est un anniversaire. Il y a un anniversaire d'une scrapidouce, d'une petite scrapidouce qui s'appelle Kelly. Hein. Kelly, je te fais tout plein de gros bisous avant même voilà, de commencer cette vidéo. Je te fais tout plein de gros bisous pour ton anniversaire. Je sais que tu es loin de ta famille cette année et bah, évidemment, c'est triste. Hein. C'est toujours triste hein, quand on ne peut pas être réunis. Donc on a une grosse, grosse pensée pour toi et on pense à toi très fort et on est là à notre façon, voilà, pour te faire passer ton chagrin si tu en as. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui c'est ton anniversaire, hein. Kelly, c'est une scrapidouce et c'est la fille de Fabiola. Hein. Fabiola, c'était son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, si. Si. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je t'ai fait une petite page, j'espère qu'elle te plaira. J'ai fait plein de cœurs, bien sûr, des cœurs, des coccinelles pour que ça te porte bonheur. Ça t'aura plein de bonheur, j'en suis sûre et certaine. Des cœurs, des voilà, de l'amour et tout ça. Si. Alors, j'espère que ta page te plaît, mon petit cœur. Si. Aujourd'hui, on nous dit, qui m'aime me suive, disait le vent. Encore un petit malin, celui-là. Si, le vent. Hein. Allez suivre le vent. Et eh ben, si vous y arrivez, vous êtes très très fort. Si. Il n'y a que les oiseaux qui savent suivre le vent. Ah ouais. Que, moi, j'aurais, si j'avais à choisir, j'aurais aimé être un oiseau. Si, voler. J'adore. C'est trop bien. Si, si. C'est formidable de voler. Si. On est au-dessus de tout. Alors, et on voit tout. Si, c'est magnifique. N'importe quoi. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est la Saint Arsène. Si, Arsène. Alors, des Arsènes, on en connaît un. Hein. Ah, ben, moi, j'en connais déjà deux. Sûr. Je connais Arsène Lupin. Hein. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Nani, nani, nani. Ah, si. Arsène Lupin, voilà. Il a vraiment existé, vous savez. Oh, vous le savez, mais bon, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Hein. Bah non, on n'est pas de la même génération. Hein. Arsène Lupin, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Et puis, alors là, Arsène, mon chouchou. Ah si. Alors là, il y en a qui commencent déjà à comprendre de qui je vais parler. Si. Bah, si, moi, je regarde bien sûr, évidemment. N'oubliez pas les paroles. Si. Et alors, mon chouchou de tous les chouchous, même si Margot, la reine Margot et tout ça, c'est la meilleure des meilleures, même si. Comment? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Si. Si, celui qui était comme ça, là. Il souffre. Je ne sais plus son prénom, là. Tout de suite, je ne sais plus son prénom. On l'adore, évidemment. Il est formidable. C'est quelqu'un de vraiment fort. Ils sont tous. Non, il y en a deux, trois que voilà. Mais il y en a deux, trois que voilà. Moyen, moyen. Mais ils sont tous formidables. Si, ils sont tous formidables. Déjà, ils savent chanter. Ils ont une mémoire extraordinaire. Mais mon chouchou, deux chouchous, des chouchous, c'est Arsène. Ah, si. La classe. La classe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ce jeune homme. Je le trouve. Voilà, je l'adore. J'adore Arsène. J'adore Arsène. Désolé, je vous dis. C'est pas ma faute, quand même. Si, il vit sur une péniche avec ses parents en plus. Si. Ben, en plus, je sais pas en plus de quoi, mais en plus de tout ce qu'il a, si, de tout ce qu'il a, si. Il a quelque chose, il dégage quelque chose, garçon, puis il est intelligent, quoi. Si, il est intelligent, il est malin et tout ça, si. J'aime bien, moi. Et puis voilà. Donc voilà, j'en connais deux. Donc bonne fête les Arsène, bonne fête. Si. Alors si vous en connaissez, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors donc pour ce faire, on a fait les fêtes. C'était bien Arsène. Hein. Non mais comme je vois plus rien, c'est ça. On a fait Arsène, on a fait ma petite Kelly d'amour. Hein. Si, ma petite Kelly. Alors en l'honneur de Kelly, en l'honneur de Kelly, si. C'est en l'honneur de Kelly, de Kelly, on va lui faire une petite carte rien que pour elle. Ah si, j'ai le droit, c'est une scrapidouce et tout ça. Si. Si elle le mérite. Je vous assure, si c'est une gentille petite fille toute mignonne, mais comme tous les enfants, bien tous les enfants sont mignons, bien évidemment. Mais si, voilà. Hein? Alors pour Kelly, on va essayer. Alors je ne te promets rien. Je promets pas le résultat, mais en tout cas on essaye. Allez, c'est parti. Alors je crois que Kelly est réunionnaise de base. Si, je crois qu'elle est réunionnaise.
Mais alors donc, qu'est-ce qu'on va faire pour lui faire plaisir? On va essayer de réaliser le drapeau réunionnais. Ouais, bon, c'est pas gagné l'affaire, mais bon, on essaie. Allez, on essaie. Le drapeau réunionnais, il est composé de trois couleurs, du rouge, du bleu roi, un bleu foncé comme ça, et de jaune. Voilà, et au milieu, on lui fera une petite fleur qu'on fera avec des ronds. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la technique, hein, mais, oh, si c'est assez connu, hein, mais en tout cas, je vais faire ça au milieu, ce sera ma touche personnelle sur le drapeau. Alors, pour faire le drapeau, comment vous dirais-je? Comment vous dire? Comment vous dire? C'est pas gagné. Alors, ouais, parce que c'est que des triangles, mais voilà quoi, hein, bon, c'est pas gagné. Alors, vous avez compris. Alors, pour ce faire, nous allons partir, comme d'habitude, d'une base 10-15, hein, parce qu'un drapeau, on va pas faire un drapeau en taille réelle, hein, bah non, on va pas faire ça, c'est ça. On va prendre du bleu, du jaune, comme je vous le disais, et du rouge, hein, très joli. Si, c'est très joli. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de tout ça, donc c'est quand même... Voilà, c'est quand même simple. Non, je ne dirais pas ça, hein, parce que ça y est, je vais encore mettre. Et je dirais qu'il n'y a pas, vous savez, une lune ou je ne sais pas quoi. Là, il y a des fois des lions, des têtes de lions, des je ne sais pas quoi. Sur les drapeaux, il y a des trucs des fois pas possibles. Hein, bah si. Mais là, non, ça va. Hein, c'est peut-être réalisable. Alors, pour ce faire, donc du bleu, c'est magnifique les couleurs. Rien que ça, déjà, c'est très beau. Voilà. Alors. On va faire une base 10-15. C'est parti, on va faire une base 10-15 avec le rouge. Pourquoi le rouge? Parce que c'est stratégique. C'est stratégique, c'est comme d'habitude. Allez, hop, je fais. Pourquoi je fais ça là? Vous me dites pourquoi je coupe comme ça là? Je ne sais pas. Je fais n'importe quoi comme d'habitude. Allez, 10-15, ça veut dire. Ça veut dire un morceau qui fait 20. J'ai fait déjà un pli one again. Ben, si, j'ai encore fait ça. C'est ça. Ah, ça m'énerve. Alors, c'est ça. Je vais faire 20. Je vais prendre l'autre côté pour ne pas avoir ce vilain pli. 20 sur 15. Voilà. Si je l'ai quand même assez, c'est chaud. Mais c'est bon. 20 sur 15. Et voilà. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On va faire ça, puis c'est tout. Alors, ensuite. Donc, vous pliez ça en deux. Vous avez votre base. Et puis, moi, le drapeau, évidemment, vous doutez bien. Enfin, vous doutez. Alors, ce papier-là, c'est une drouille, hein, mais bon, j'ai que ça sous la main pour ces couleurs. Donc, je prends ça, mais c'est les papiers. C'est ces blocs-là, là, c'est une drouille pas possible. Hein. N'achetez pas ça, ça sert à rien. Ou alors, faire des découpes dedans que vous ne plierez pas et tout ça. Hein, parce que ça se déchire, ça fait du blanc. C'est horrible. Si, il est horrible, mais bon, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Donc, le... C'est ça. Le drapeau, donc pour faire le drapeau réunionnais, hein, si je ne m'abuse. Alors, la Réunion, le code machin, c'est 974. Vous le savez. Bon, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. 974. Alors, vous sortez vos lettres en bois, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre. Hein, on fait une petite carte pour Kelly. Bah, si, on lui fait une petite carte, on lui fait une petite carte. Ça lui fera plaisir. Bah, si, j'en suis sûre. Alors, on essaye. Hein. J'ai dit on essaye. C'est pas promis. Alors, je vais me mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je sais pas. Non, je vais pas me mettre à l'intérieur. Alors, 10-15. On va prendre la moitié de. C'est 10, ça hein. On va prendre la moitié de 10. Voilà, on va faire de la géométrie. C'est mardi. Hein. Ah, c'est mardi, c'est mardi. Donc, la moitié de 10, c'est 5. On est d'accord? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, parce que c'est quand même ça. Alors, on prend 5. N'importe quoi. Ça va vous passionner aujourd'hui le... Ah, si. Attendez, parce qu'il me faut un... il me faut... On va faire ça. Bon, ce sera un semblant de drapeau. Hein. Alors, on fait une ligne à 5, là. Vous avez vu, on a ça. On est content. Ensuite, on va prendre la moitié de la ligne, là. Alors, la moitié de 15, c'est 7,5. D'accord? Bon, d'accord. Et on va réaliser le triangle rouge qu'il y a sur le drapeau. Le triangle rouge, il part des pointes là et il va au milieu. On fait ça, puis c'est tout. Hop, donc on fait ça. Je ne dis pas, ça va être loin d'être gagné, mais bon, c'est ça. C'est ça. On fait ça. Ok, on est très content. Voilà. Là, on a déjà le drapeau rouge. Voilà, si. Alors, ensuite, on a là, ici, là, ici, là, c'est des drapeaux bleus. Alors, des drapeaux bleus, comment vous dire? Les drapeaux bleus, parce que les drapeaux bleus, après, on va ici, attendez, je vais essayer de faire des marques, parce que ici c'est jaune, ici c'est bleu, ici c'est jaune, 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 et au milieu là, au milieu c'est jaune aussi. Bon, on va faire de l'à peu près, on essaye, oh là là. Alors,
Donc, pour ce faire, ah mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile du tout, du tout. Est-ce que c'est droit? Oui, ça doit être droit. Donc, ici, on va faire du bleu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On faiblit, hein. On reprend un morceau de 10. Enfin, moi, je vais faire ça. Je vais prendre un morceau, donc, de... Non, bah, j'exagère, là. Non, je vais pas prendre un morceau de 10. Ouais, ça, je sais, hein. J'ai du mal, c'est pas ma faute. Alors, un morceau de 5. Hein. 5, une bande de 5. Hop, j'aurais peut-être dû prendre une base de jaune. Bah, c'était plus intelligent. Ouais, c'est plus intelligent de prendre une base de jaune et de mettre les couleurs dessus. Hein? On va faire ça. Si, on va faire ça. Enfin, on va faire ça. Ouais, je sais, c'est pas facile. J'essaye. Ah si, j'ai le droit, j'essaye. Alors donc, pour ce faire... Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est ça. Alors, donc, j'ai dit... 20, hop, sur 15, hop, voilà, je plie, si, c'est ça que je vais faire, voilà, ensuite, ben, ouais, c'est comme ça que je vais faire, bon, là, on vient de faire le truc, ben, si vous m'avez suivi, vous avez fait la même chose que moi, donc, il n'y a rien de mal, hein, pas grave, non, il n'y a rien de grave, alors, donc, votre triangle, là, maintenant qu'on a fait, vous le découpez, si, vous le découpez, proprement, alors au cutter, au ciseau, comme d'habitude, vous faites hein, ce avec quoi vous êtes à l'aise pour découper. Hein. Voilà, et nous posons le triangle rouge sur le jaune. Vous allez voir, comme ça, on n'aura pas besoin de faire le jaune, parce que les bandes jaunes, elles sont très très fines, et on va poser les couleurs sur la base de jaune, ce qui va nous simplifier la vie. Ben si, ça va nous simplifier la vie, vous allez voir le drapeau, la tronche qu'il va avoir. C'est ça. Pour se faire. Et on va partir de notre base là qu'on avait. Vous voyez? Si, ça va nous aider à faire les triangles bleus. Parce qu'en fait, après, on n'a plus que des triangles bleus à faire. Bah si, c'est vachement facile quand même. Si. C'est enfantin. Si, c'est ça. Alors, donc, on pose notre triangle qu'on vient de faire. Voilà. Voilà. Si, c'est très bien. Et maintenant, on avait tiré nos traits là. Et bien là, on va se baser comme ça et on va... On va faire une marque là. Je sais pas. On va se mettre en dessous là. On va mettre la bande de 5 là en dessous. J'essaye de trouver une solution. J'essaye. Vous posez votre base de 5 en dessous la découpe qu'on vient de faire là. Ouais, je sais, c'est le tuto de la loose. Ouais, bah faut se donner du mal. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Bon, bah là, on aurait pu couper à 15. Hein. On aurait pu faire ça. Bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le triangle bleu, comme ceci. Vous allez voir, ben si, vous allez voir, c'est magique. Hein, vous faites ça d'un côté, et là, vous coupez sur la ligne qu'on vient de faire. Vous avez compris? Si, c'est enfantin, vous faites ça, puis c'est tout. Hein. Oh là là! C'est ça! Donc là, on fait ça, puis on fait ça. Ben, je crois que c'est coupé. Non, mais je suis nuche. Je suis nuche. C'est ça. Donc vous coupez le triangle bleu, hein, et vous avez que ça à faire. J'étais en train de réfléchir parce qu'on a coupé à 5, on était déjà coupé en haut. J'allais couper en haut alors que c'est déjà coupé en haut. Ouais, je sais. Ouais, ben j'ai un peu de mal, il fait chaud, hein, je fais ce que je peux. Hein. Puis je vous dis pas que demain on est mercredi demain. Oh là là, c'est le jour des scrapidou. Ça va pas être facile. Et donc là, on a les deux triangles bleus qu'il nous faut là. Bah si, on disait que c'était ça. Bon, bah, à peu près. Tu nous en voudras pas. Hein, Voilà, et ça, on fait ça là. Si, on fait ça, puis c'est tout. Alors, vous faites ça. Là, vous collez. Hein. Faut pas qu'on voie deux jaunes. Par contre, là, faut pas voir deux jaunes. Alors, vous appliquez, puis c'est tout. Hop. On fait ça. Là, on va coller nos triangles qu'on vient de faire ici. On fait ça. Ah, tu sais, on se donne du mal hein, pour Kelly. Ben si, c'est pour te faire plaisir. Hein. Ben si. Hop là. Donc, on fait ça. Non. Et donc, dorénavant, tous les mardis, nous ferons des drapeaux. C'est ça. N'importe quoi. Hein. Non, on ne fera pas des drapeaux parce que bonjour l'angoisse. Et après, si vous voulez le faire, c'est une bonne. C'est un très très bon travail déjà pour apprendre les drapeaux. Déjà pour commencer. Ben, si. Ah, ben on va faire ça maintenant. Tous les mercredis, on fera des drapeaux avec les enfants. Si. C'est une très bonne. Très bonne technique pour apprendre les drapeaux des pays, tous les pays, tous nos pays, hein, tous les pays qui
qui voilà, si. Et alors, et après, ça nous fait travailler la géométrie. Ah si, c'est très intéressant, très intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je réfléchis parce que, en fait, là, les triangles ici, là, les triangles qu'il y a, là, bleus, ici, là, ici, là, alors attendez, je réfléchis comment on va faire. Ah, d'accord, mais si, je réfléchis, je réfléchis. Ça. Là, je vais couper la partie, là, pour. C'est une sorte de gabarit. Voilà. Alors là, on va dire, c'est une sorte de gabarit, ça. Hein. Si, on dit que c'était ça, puis c'est tout. Alors là, si je fais ça, je réfléchis, j'ai tout à fait le droit quand même. Là, et si on le coupe en deux, je le relève un tout petit peu comme ça. Ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Je sais pas. Parce que là, on va tricher, on va poser une fleur. Ah, si, on va y faire une fleur, on a le droit. On triche, bah, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut. Donc, si je lève un tout petit peu comme ça. Parce que vous voyez, là c'est du jaune. Donc là, il faudrait qu'il y ait un peu de jaune, ici, là. Et après, là, on aurait des triangles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas, c'est tout à fait normal. Parce que pour comprendre ce que je vais faire, là, je comprends déjà pas moi-même. Ah, c'est ça! Donc, ouais, on va faire ça. Vous allez. Le triangle qu'on vient de couper, là, comme ça fait pas de chute. Et puis, hein, le triangle qu'on vient de faire, là, bleu. Ah, si vous m'avez suivi, vous avez fait la même chose que moi. Si vous avez fait ça, puis c'est tout. Donc là, vous allez le faire dépasser. Vous allez le poser comme ça. Ouais, je sais, c'est le tuto de la loose. Vous le levez comme ça pour qu'ici, ici là, sur les bords, le jaune là, il y ait le ciel, le soleil et la mer. D'ailleurs, je me demande le symbole de ces trois couleurs. Parce que vous savez que les drapeaux correspondent toujours à un symbole. Ben si, ça veut dire quelque chose pour les pays. Si, ça veut dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas. Il faudrait se renseigner. Ou alors demander à Kelly, parce qu'elle sûrement qu'elle sait ce que ça veut dire, ce que représente le rouge, ce que représente le bleu, ce que représente le jaune. Alors, le jaune, c'est peut-être le soleil. Le bleu, c'est peut-être la mer. Et le rouge, je ne sais pas. Je sais pas. On lui demande. Il faut qu'on lui demande. Hein. Voilà, nous, moi, je veux savoir ce que symbolisent les trois couleurs du drapeau de la Réunion. Si. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Ben, non, je ne sais pas tout, hein, vous savez. Alors, donc, ça, on va faire ça. Mais avant cela, on va le couper en deux. Enfin, on va le couper en deux. On va prendre la moitié, là. Oui, je sais. C'est nul comme. Bah, si, c'est bien. Alors, on prend la moitié de 15. Toujours. On se met en haut du triangle et on prend la moitié de 15 à 7,5. OK. 7,5 et on rejoint la pointe en bas. D'accord? Si on fait ça. Allez, hop, vous faites ça. Vous voyez? On a pris, hop, on a tracé, on a rejoint on fait ça. Et alors, ce que je voulais faire là, c'est parce que là, il y a aussi du jaune un petit peu au milieu. Alors, on va tricher un petit peu. Hein. On va mettre, je vais mettre combien? C'est parce que c'est approximatif. Hein. Vous allez mettre 0,5 de chaque côté. Hein. Vous êtes sur la ligne, vous mettez 0 sur la ligne là, et vous mettez 0,50 là, 0,5 mm et 0,5 mm de chaque côté, et vous rejoignez la pointe en bas. D'accord? Ainsi, vous faites ça. Ah, ben les scrapeurs du cœur, si vous voulez faire plaisir à Kelly, vous lui faites son petit drapeau et vous le postez sur les scrapeurs du cœur. Si, ben si, ça va là. Et puis là, donc on a, vous voyez, eh bien ça, on va les découper. On va les découper, ça nous fera notre triangle approximatif. Bien sûr, ça sera approximatif, certes, mais c'est mignon. Si, voilà, on a ça. On est content, on a deux triangles. Alors, bougez pas. Je souffre. Hein. Ah, si, je souffre. Alors ça, je mets ça là. Ok, et là je mets ça là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait deux triangles. C'est à peu près, d'accord? Vous voyez, vous faites ça, puis on a nos deux triangles là, d'accord? On a un petit peu de jaune au milieu, et puis là il nous manque plus que deux triangles bleus là. Pour faire les deux triangles bleus là, on va refaire une bande de 5. Si vous faites ça, puis c'est tout. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, on va poser nos deux triangles qu'on avait fait là. On les pose là. Sur notre gabarit rouge qui nous reste. Voyez? Voyez ce que ça fait? Vous voyez là? Là, on a au lieu du jaune, on a du rouge. Et bien voilà ce qu'on va faire. Puisqu'on a nos deux bleus, on va poser nos deux bleus sur notre gabarit rouge. Si, bon, de toute façon, j'ai une intelligence, moi, faut voir. C'est cela. N'importe quoi. Et donc là, on va simuler nos deux triangles bleus. On va se mettre
à 0, là, 0,5 à peu près. Vous voyez là, sur le côté, là. Vous voyez là, ici, là. Vous voyez là, ce que je veux dire. Je peux même pas... Vous voyez ici, là, le côté droit, là. Vous vous mettez à 0,5 du haut, à 0,5, et vous allez rejoindre la pointe, là, au milieu. D'accord? Vous tirez un trait. D'accord? Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous mettez à 0,5 ici, vous mettez à 0,5 et vous faites une ligne qui rejoint le centre. D'accord? Si vous faites ça, voilà, hop, voilà, on a ça, on est très content. Et puis là, on se met, c'est pareil, on va se mettre à 0,5, 10, enfin 0,5 c'est peut-être beaucoup, mais faites voir. Ouais, non, on se met à 0,5 aussi. La ligne bien centrale, là, vous vous mettez à 0,5. 0,5 là, 0,5 là. Et là, on va rejoindre aussi le milieu. D'accord? Si vous faites ça. Voilà. On fait 0,5 là. Et là, 0,5. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux... on a ça, ça et ça. Voilà, on est très content. Qu'est-ce que, comment qu'on va faire? Je ne sais pas. Donc là, ici, on repose nos triangles bleus comme ça. Voilà. Très bien, on est très content. Hein. Si on est très content, on est très doué. Et puis là, on va couper les triangles qu'on vient de fabriquer là. Ah ben c'est un petit peu la galère, certes. Ça, je vous l'accorde. Voilà. On a ces deux triangles. Attention, on les garde précieusement parce que c'est ça qu'il nous faut en bleu. Celui-là et celui-là, on les coupe. Hein. Ben, c'est les vacances. On fait des petits défis comme ça, puis ça fait plaisir aux enfants. Merci. Et voilà, donc là on a ça, on a nos deux triangles et vous les voyez, ah ben non, vous les voyez plus maintenant, j'ai trop serré, c'est ça. On a nos deux triangles rouges et vous vous débrouillez pour les couper dans un papier bleu. Ben si, vous faites ça, c'est tout. Ah ben si, hein. Si. Moi je me mets dans le coin, c'est parce que je triche, comme ça j'ai qu'une coupe à faire. Ben si, ben, il faut être malin dans la vie, hein. Faut être malin. Alors vous coupez ça, hein. Voilà, hop. Voilà, et j'ai un triangle bleu qui normalement, comment dirais-je, va là. Ben si, ça va là à peu près. Et alors, je prends l'autre, hein, je prends l'autre, je coupe là. Je sais pas, hein, vous faites ça et vous coupez l'autre coin. Hein. Vous vous cassez pas la tête, hein, surtout. Hein, oh là là, oh là là, oh là là. Vous mettez là dans un coin de page et puis ça y est. Hein. Alors, hop, on s'applique, hein, on s'applique, on s'applique. Voilà. Et voilà! Et on a l'autre triangle bleu. On est très très content. Et on le pose. Ah mince, ça fait sale ça. Vous voyez ce papier? C'est la zone. Alors est-ce que ça va le faire? Ben, ça va, j'ai de la chance parce que c'est le côté qui ne se verra pas. Et ben voilà, soyons, on a fait le drapeau de la Réunion. Ben, il n'y a plus qu'à. Regardez, on est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. Je suis très fière de nous. Si, je suis très fière de nous. Si, on est formidable, 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 on était formidable, on était formidable, on était formidable. Alors, on fait ça, on est très, très content. Et puis, on va coller les parties, ben, vous collez les parties, puis c'est tout, hein. Oh là là, c'est pas la mort de faire ça quand même, vous allez y arriver, ça. Mais si, on va y arriver, on va tous y arriver, on le fait. C'est ça. Alors, je colle. Hein, on se met la pointe en bas, là, hein. Faut que la pointe, les pointes, vous rejoignez toutes les pointes au centre, hein? Si vous faites ça, vous allez voir, c'est plus facile pour poser le truc. Voyez, regarde, si vous remettez toutes les pointes au centre, eh bien le jaune il apparaît. Si, il apparaît le soleil, ça fait un soleil en fait. Ça fait un soleil dans le ciel bleu. Ça y est, j'ai compris. Ben si, c'est juste logique, ça fait des rayons du soleil. Hein. Regardez, si on fait ça, voyez, on a des rayons de soleil. Un rayon de soleil, nina nina nina, nina nina. Bon, c'est pas tout à fait exact, hein. C'est pas une science exacte, mon drapeau, mais ça fait des rayons de soleil, et puis c'est tout, vous dites que vous êtes content, si, vous dites que vous êtes content, et puis ça me fait plaisir, vous savez bien, mais si vous savez bien, on fait ça, puis c'est tout. Donc, un rayon de soleil, lila lila lila, nanina nina nina. Ton petit cul cherche le chemin, naninanina, nanani, nanana, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin. Voilà, voilà. Bon, Kelly, tu m'en voudras pas, il n'est pas parfait, notre drapeau de la Réunion, parce que j'espère en plus que c'était bien la Réunion, je ne me suis pas trompée, Martinique ou Guadeloupe, non, je crois que c'est Réunion.
Il me semble que c'est Réunion. En tout cas, voilà ton drapeau, rien que pour toi, ma poulette. Si, c'est rien que pour toi. Et maintenant, que vais-je faire de ce drapeau? Ah, la lila, lila, bien sûr, je vais te l'envoyer. Hein, si. Bon, il est... Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te l'envoyer. Hein, c'est pour toi. Alors, ensuite, pour ce faire, eh bien, pour ce faire, nous allons faire. Moi, par contre, je vais le transformer. Hein. Ah, j'ai le droit, je m'octroie tous les droits. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Je vais faire une jolie fleur. Alors, pour faire une jolie fleur. Alors, on va prendre une. Je vais mettre un cœur jaune, une petite fleur comme ça au milieu. Mais on a le droit, on fait qu'est-ce qu'on veut quand même. Ah, si, on fait qu'est-ce qu'on veut. Alors, tu veux quelle couleur de fleur? Qui va avec le bleu et le jaune, c'est pas facile, hein. Ouh là là, ça va pas être facile de marier une couleur avec ça. Hein. Ouh là là, je ne sais pas. On va peut-être la faire blanche. Je vais te faire une marguerite. Si, je vais te faire une marguerite. Et puis tu dis que tu es contente. Hein. Alors il me faut du papier blanc. Bon, on disait que je vais te faire une marguerite. Alors, pour ce faire, du papier blanc. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier blanc? Ça, je sais pas trop quoi prendre comme papier blanc. Je touche le fond. Si. Ah non, j'ai rien, c'est ça. Je prends une grande feuille blanche, là, je sais pas ce que ça va donner ce papier, j'en sais rien. Du papier photocopieux, ça suffirait, hein, je pense. Hein. Alors, pourquoi je prends ça? Parce que. Voilà quoi. Si, comment vous dire? Alors, il va nous falloir 6 ronds. 6 ronds. Hein. Alors, il y en a, ils habitent à Six-Fours-les-Plages. Alors, déjà qu'il fait chaud, mais en plus, ils habitent une ville où il y a six fours. Alors, je vous dis même pas la chaleur qu'il doit faire là-bas. Hein. C'est horrible. Moi, j'aimerais pas habiter à Six-Fours-les-Plages. Hein. Ah ben non, ah ben non. Bon, enfin, bon, on habite où on peut. Hein. Ah. C'est ça. N'abandonnez pas. Hein. C'est pas ma faute. Alors, on va faire 6 ronds de la couleur que vous voulez parce que vous faites la fleur de vos rêves. Si, vous faites la fleur de vos rêves. Moi, j'ai le droit de faire des marguerites quand même. C'est mon droit. Ah, si. Alors, on va faire 6 ronds, on a dit. Allez, c'est parti, mon kiki. Une fois, deux fois. Vous avez vu, je l'ai fait par deux. Hein. Oh, bah si, c'est bon. Hein. Deux par deux, ça va plus vite. Hein. Vous pliez votre feuille en deux hein, et vous avez 2 ronds d'un coup. Hein. Si. S'il faut faire 6 ronds, oh là là, c'est trop long. Hein. Il fait trop chaud, c'est trop long. C'est ça. 2, 4, si, je vous assure, regardez, en double, pouf. Voilà, si. On fait ça, 2, 4 et 6. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Et voilà. Alors. Tourne, tourne les vents. Alors maintenant qu'on a 6 ronds, on est très content. Si vous dites que vous êtes très content, ça me fera plaisir. On va faire des pétales. On va faire des pétales. On dit un pétale. Hein. Et souvent je dis une pétale. Bah oui. Alors je sais très bien que c'est un pétale. Hein. Bah si. Bah, si. Alors donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire des pétales. Pour ce faire, on prend notre rond comme ça et puis on plie comme ça sur le côté. Oui, on rabat pour que ça fasse un côté droit, voyez. Et puis l'autre côté, on rabat. Faut que ça fasse que là, pour que là, le rabat là, de ce côté-là, il fasse une pointe en bas. Voilà, vous avez vu. Est-ce que je veux dire, je me casse pas trop le tronc. Hein. Et là, il faut que ça fasse une pointe. Bon, ça n'a rien de compliqué de faire ça. Je vous assure. Je sais même pas si la fleur elle va tenir sur la carte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on recommence. On fait ça 6 fois, puis c'est tout. Alors, on fait un angle, enfin un truc tout droit. Hein. Voilà. Et puis là, on plie pour que ça fasse une pointe en bas. Voilà. Vous voyez? Ça n'a rien de sorcier de faire ça. Oui, je sais, c'est très connu de ceux qui connaissent. Je suis très contente pour vous. C'est ça. N'importe quoi. Et on commence, et on commence, et on commence, et on recommence. Pour ce faire. Alors, vous faites les pétales de vos rêves. Hein. Vous pouvez faire des grandes pétales, hein, des grands ronds. Hein. Plus les ronds sont grands, plus les pétales sont grands. Hein. Si. Ah si, c'est QFD. Si. Alors vous faites ça, hein. Parce que Marguerite. Ah, ben c'est pas ma faute, hein. Marguerite, Marguerite, hein. Si. Vous allez avoir une overdose de Marguerite. Si. Si. Un jour vous allez craquer. Ben, si. Alors, comment peut-on craquer avec des marguerites? Mais non, nous ne pouvons pas craquer avec des marguerites. Alors, vous faites à peu près, hein, voilà, on est content. Parce qu'une fleur, c'est jamais parfait. Bah non. C'est pour ça qu'on les aime, c'est parce qu'elles sont imparfaites. Et maintenant, on va faire une fleur. Alors, on ne verra plus le drapeau. Alors, attendez, je vérifie. Parce que si on voit plus le drapeau, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, ce qui s'appelle pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'on ne voit plus le drapeau. C'est ça. Faites voir. Je vais la faire à l'intérieur, la marguerite. 3. Est-ce que j'en ai assez de 6, moi, en fait? Non, parce que je suis capable de ne pas en avoir fait assez. Hein. Oh là là. C'est tout à fait possible. Hein. Il va falloir que je refasse une bite. Donc, si. C'est 7. Hein. Si, ben, si.
Suivant la grosseur des pétales, il m'en refaut encore une. Bah, allez-y, alors faire un rond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai pas assez, hein. J'en refais, allez, j'en refais un rond. Wali-walou. Je fais ça. J'aurais pu en faire une plus petite marguerite. Hein. Elle est vraiment très grosse. Si. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Hop et hop. Mais si, c'est bien. Oh là là. Alors, pour ce faire. Mince. Ah, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Je reviens de suite. Non, je me marre, mais c'est pas gentil. Alors, non, je ne vous dirai pas ce que c'est. Alors, pour ce fait. Non, ça se fait pas de raconter ça. Alors, donc, on plie comme ça et on fait une septième pétale parce que 6, ce n'est pas assez. Et puis, c'est tout. Donc, pour ce faire, voilà. Et on ne voit plus le drapeau. Alors, vous pensez bien que ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir ma carte et je vais mettre la marguerite à l'intérieur. C'est tout à fait mon droit. Voilà. Et là, je mettrai des messages à l'intérieur. Quand elle ouvrira les pétales, il y aura un message dedans. Si, bon, je fais ce que je veux. Alors, donc, une, deux. 3, 4, 5, 6 et 7. Ça tient dedans? Oui, ça tient. J'aurais vraiment. Oh non, ça tient pas, il m'en faut encore une. Non, mais je vous jure. Non, mais ça va pas. Encore une. Si, encore une. Je sais pas. Plus ça va, plus faut de pétales. Je comprends rien du tout. Je ne sais pas. Ouais, bah ça se peut que je me sois trompée quand même. C'est pas ma faute. Hein. De toute façon, je m'en fous parce que j'en avais une huitième de prête. Alors, si, je le savais très bien. C'était pour vous embêter. Et 8. Voilà. Bah si je fais ça, puis c'est tout. Hein, elle te plaît la marguerite? Si, elle est magnifique. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à coller. Alors pour ce faire, je colle. Alors je colle sur ce côté-là, c'est mon droit. Je fais exactement comme je veux. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez poser votre fleur sur une carte tout autre. Hein. Si bien sûr vous faites la carte de vos rêves, hein. Vous pouvez faire une carte juste avec une seule fleur. Et puis voilà. Hein. Bah, si. Alors pour ce faire, je fais ça moi. Voilà, c'est magnifique, c'est très magnifique. Moi, ce que j'aime, c'est que vous pouvez cacher. Oh, génique! Vous pouvez cacher un message dans ces fleurs. Hein? Quand elles ouvrent, quand on ouvre les pétales, il peut y avoir un mot. C'est ce que moi, c'est ce que je vais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais faire ça, vous pouvez. Vous avez compris. Si vous avez compris, mais un petit message caché. On peut même mettre des insectes. Si on peut mettre des insectes dans les pétales, hein? Les petites abeilles. Si, les petites abeilles qui butinent la fleur. C'est très magnifique. Oh, tu viens là, toi? Je sais pas ce qu'elle a, la pétale, elle saute, elle saute. Voilà, hop, elle se prend pour une sauterelle. Merci. Moi, je sais, je dis n'importe quoi. C'est souvent. Bah, c'est souvent. Bah, c'est assez souvent que je fais n'importe quoi, que je dis n'importe quoi. Mais bon, hein, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Alors, toc, 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 hein, entrée, ici, entrée. Alors, hop. Vous faites ça ou pas, hein. Maintenant, je vais avoir trop de pétales, je crois bien. Si? Je sais pas si je comprends rien. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout. Voilà, l'autre, la septième, elle rentre plus. Bon, je ne sais pas ce que je vais en faire, elle rentre plus, elle rentre plus. Hein. Bon, je ne sais pas. Comment j'ai fait? Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas mon truc, je ne comprends pas. Ah, tout à l'heure, ça rentrait très très bien, maintenant ça rentre plus. Je vais quand même la mettre, m'en fous, je la mets par-dessus les autres, puis c'est tout. Allez hop, on s'incruste. Alors, si je vais faire ça, puis c'est tout. Je ne sais pas ce qui lui prend là, pourquoi elle tient pas. On disait que ça tenait. Hein. Si, on disait que ça tenait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, c'est parce que j'ai trop serré le cœur. Hein. Le cœur. J'ai trop serré le cœur, j'ai fait ça. Si, j'ai fait ça, j'ai trop serré. Donc, desserré, desserré. C'est pas si facile de faire ça. Hein. Ah non, on croit que c'est facile, on croit que c'est facile, mais alors, bah non, pas du tout. Bah non, c'est pas du tout facile. Alors, ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre les pétales et ensuite de coller. Hein. C'est ça. Alors, hop, hop, je vais y arriver de toute façon. Merci. Voilà, pour se faire. Voilà. Bah non, parce que quand même, le but, c'est quand même que ce soit. Voilà, hein, qu'on. Voilà, hop, hop. Je sais pas comment je me suis débrouillée, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça s'ouvre et tout ça là? Je regarde si tous les trucs s'ouvrent, moi. Qu'ils soient pas les. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que ce soit les uns sur les autres, que ce soit côte à côte et non les uns sur les autres. D'accord? Enfin, d'accord. Voilà. Ah, bah voilà. Hein, c'était tout mignon. Si, c'est très joli. Hein, regardez quand c'est ouvert. C'est beau, hein? Si, c'est très joli.
Si vous dites c'est joli, ça me fait très plaisir. Hein. Alors pour ce faire, on referme et on mettra un petit message caché dedans. On peut hein, faire ça. Alors moi, je vais faire un petit cœur hein, jaune à l'intérieur. C'est bon, je vois. Hein. Si vous voyez que ça rentre plus les pétales, bah, vous resserrez les pétales. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très compréhensif. Vous resserrez les pétales. C'est pas non plus interdit par la loi de resserrer les pétales. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, hop, voilà. Et puis là, je vais mettre un cœur, moi. Comme ça, on ne pourra plus ouvrir les pétales. Alors, je vais mettre une petite fleur comme ça, moi, pour faire le cœur. J'ai le droit, non? Bah si, j'ai le droit, je le fais, de toute façon. Alors, je vais coller avec quoi? Parce que alors, la colle chaude, je ne l'ai pas mise en route. Bien sûr, je ne l'ai pas mise en route. Et puis ça collera à mes genoux. Donc, je vais mettre du double face. Hein, on va faire ça. Voilà, si. Puis après, je verrai. Et puis, voilà. Si. Hop, hop. Voilà. C'est magnifique. Si, elle est magnifique, ma carte. Bah, si vous dites c'est magnifique, ça me fait plaisir. Bon, là, c'est sûr que la pétale, bon, bah, elle est un peu grande, la fleur. Ouais, mais il faut ça. Voilà. Hein? On est content, on est content. Hop, hop, voilà. Alors, maintenant, on va bah, juste mettre Happy Birthday. Hein? Attends, je retire mes petites traces, là. Bon, c'est pas la perfection, mais c'était tout mignon. Mais si, je vais mettre un Happy Birthday. J'ai le droit, quand même. Alors, Happy Birthday to you. To you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Je vais le faire en die cut, vous savez, hein, parce que ça, c'est un sticker et je vais le mettre en die cut. Pour ce faire, je vais coller donc mon sticker sur un morceau de papier blanc. Mais on pourrait le coller sur un morceau de papier. J'aurais pu prendre du rouge. Je retire, je recommence. Oh, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Là, c'est pas grave parce que je vais le découper vraiment. C'est parce que j'ai envie de le mettre en die cut. Mais après, le choix... Hein, d'accord, vous avez compris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kelly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kelly. Je les mets au milieu, j'ai le droit? Bah si, je le fais de toute façon. Happy birthday to you. Hop là. Je te mets un petit sentiment au milieu. Oui, je sais, j'ai le droit. Je le fais, hop, comme ceci. Il y a un peu de tout. Hein. Et puis voilà. Hop. Et puis voilà. Tu vois, c'était tout mignon. Si, c'était tout mignon, c'est que pour toi. Bon, là, les pétales, je ne sais pas ce que j'ai fait. Elles sont un peu grandes. Bah, j'ai fait une grande marguerite. Bah oui, j'ai fait une grande marguerite. Ça veut dire que les pétales, c'est ce que je veux dire. Si, bah, tu les arraches et puis, hein, d'accord, c'est pas grave. Oh là là, on va pas en mourir, hein, de toute façon, la fleur. Mais non, on va pas en mourir. Ça fait des jolies petites fleurs. Hein. Et puis, alors là, bon, bah, moi, mon cœur, il est un peu trop gros. Vous voyez, peut-être, je vais mettre juste un strass. Parce que la fleur, c'est un peu trop gros. Parce que moi, je voudrais ouvrir les pétales et qu'on voit un mot à l'intérieur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si. On fait ça, puis c'est tout. Hein. Je ferai ça, je pense. Je vais réfléchir, là. Si, je verrai. Tout à fait mon droit de réfléchir. Hein. Oula. Et alors, je voulais mettre les numéros 974, moi. Mais on met ça avec quoi? Qu'est-ce que... J'ai rien. Hein. J'ai pas de numéro. Si, non, non, je plaisante. Je dois en avoir quelque part, mais alors où? Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit tamponner, soit... je les aurais bien découpées, moi. Bah, si, c'est tout à fait mon droit. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai ça, mais alors... Combien de minutes? Ouais, vous avez qu'à couper. Hein. Je vais juste mettre 974 là. J'ai le droit, de toute façon, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire ça. Bon, bah, on mettra pas. Hein. Ah si, c'est peut-être ça. Non, c'est quoi ça? Ah non, c'est l'alphabet, comme de par hasard. J'ai l'alphabet, j'ai pas les numéros. Oh, là, là. Mais si j'ai ça, j'en suis sûre, j'ai ça quand même. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kelly. Happy birthday to you. Bon, bah non. Bah, je suis sûre que j'en ai. Bah, zut. Bah, comment on va faire? Ah, bah, ça y est, nous l'a perdu. Ah, si, si, nous l'a perdu. Hop là. Bon, bah, je mettrai 974 hein, un autre jour. Si. Un autre jour, une autre fois. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout. Hein. C'était tout, cette histoire de faire un petit clin d'œil à notre petite Kelly chérie. Mais si, hein, parce que si je fais ça, c'est parce que je sais qu'elle est loin de sa famille.
Si. Alors donc voilà, c'était juste pour te dire qu'on est là. Hein, on te fait plein de gros bisous. On te souhaite une très belle journée et que tu seras très gâté. Bah si. Oh si, mais si, je sens que tu vas être gâté un petit peu. Un petit peu, c'est normal. Bah si. On te fait plein de gros bisous. Et puis, et ben à bientôt. Hein, on fait comme ça. Prenez soin de vous.